Moi, je gagne 1700 euros par mois. Vous voyez, je suis pas le plus pauvre. Hein. J'arrive pas à m'en sortir. C'est pas France de propriétaires, Sarko, Chirac. C'est 30 ans. Hein. Tu vas arrêter de pas, tu vas arrêter de bosser pour l'Europe, pour Juncker là. Moi, je le dis, Juncker là, qui est dans son grand château. Parce que moi, j'appelle le peuple européen à se relever. L'Europe, toute l'Europe. Les Allemands, relevez-vous. Les tout le monde, relevez-vous, parce qu'on bosse tous pour cette putain d'Europe. On nous met tous à mal. On fait comment? C'est les banquiers. Ouais, la, moi je vous le dis, la finance, les banquiers. Macron, t'es même pas mon président, je t'insulte. Tu vas te faire enculer, l'autre Premier ministre. Allez vous faire enculer. Vous savez quoi? On veut plus discuter. Soit t'allonges l'oseille, soit tu vas te faire enculer. Les banques, bien sûr que les banques, elles mangent. Les banques, on leur prête des sous, l'État leur prête des sous, ils mettent ça dans des paradis fiscaux. Et nous après on n'a rien, on n'a même pas de crédit, ils nous font même plus de crédit maintenant les banques. Ils font plus rien les banques maintenant, ils font plus rien, plus rien. Moi je suis auto-entrepreneur, on me prête pas de sous, on me prête pas de sous. Les banques elles veulent pas me prêter de sous. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Bah pour le pouvoir d'achat déjà, d'une. Mais au début c'était pour le pouvoir d'achat, maintenant on n'en veut plus de leur gueule. Il faut qu'ils dégagent. Macron démissionne. Tout le monde. Tout le monde. Tous les ministres, tout, on veut une 6ème république. D'accord. Que ce soit nous qui pouvons voter les lois par référendum et qu'il n'y ait plus le droit que ce soit eux qui décident à notre place. C'est nous qui devons décider, plus eux. Aujourd'hui, vous nous empêchez de passer, alors que c'est pour vous qu'on le fait. On va se couper, on va se couper.
Je suis pas, excusez-moi, je suis pas revenu. Vous êtes venu manifester. C'est la première fois que je manifeste, monsieur. Pourquoi en attendre pour être à cette première manifestation? C'est une situation inextricable pour vous? Non, parce que c'est le peuple qui se lève. C'est le peuple, c'est pour ça qu'il n'y a pas de leader. C'est le peuple qui en a marre, qui souffre depuis des années. On ne dit rien, on dit rien, on encaisse les coups sans arrêt. Et on te rajoute une TVA, et on te rajoute une taxe, et on te rajoute des taxes sur le gasoil, des taxes sur l'habitation. Et à un moment donné, on peut plus. On peut plus, on est au fond du trou, on peut plus. On se prive de restaurant, on se prive de voyage, on se prive de tout. On travaille, et on s'en sort pas. Voilà. Voilà, la réalité, elle est là. C'est le peuple qui se réveille. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas besoin de syndicats. Il faut que M. Macron, puisqu'il est président de la République, fasse un geste conséquent vis-à-vis du peuple et qu'il comprenne que le peuple, il n'en peut plus. Il est au bout.